Comment ça va, Québec? Ah, il m'est arrivé une aventure spéciale dans le métro. À matin, je rentre. Moi, j'haïs ça, les gens qui n'ont pas de savoir-vivre. Ça m'écœure. Il y a une fille, on est dans l'heure de pointe. Il y a une fille qui tousse. Tout ça, c'est tout le monde. Voyons donc. Je vais avoir, excusez, madame, si c'est possible de mettre vos mains devant votre bouche quand vous toussez. Elle enlève ses mains de ses pantalons. Elle avait des moignons. Comme si j'avais eu des mains, je les aurais mis devant ma bouche. Un méchant malaise! J'ai jamais eu autant de place dans le métro sur un de pointe, je suis le même. Moi, l'année passée, j'ai décidé d'apprendre l'anglais, mais pas aller à l'école. J'ai dit non, tu vas y aller à la dure, va travailler dans un restaurant en anglais. Fait que j'étais allé travailler dans le West Island à Montréal où ça parle juste en anglais. Moi, je pensais que ce serait facile de travailler chez Cora. C'est le fun d'aller chez Cora, hein? Des années chez Cora. Je me suis dit, aller travailler là, c'est facile. Pas besoin de 1000 mots. Je vais vous donner un exemple. Good morning, mister. How are you? What kind of your eggs? Scramble, excellent. The bread, the color, you know, white, brown. Excellent choice. Would you like more coffee? Moi, je pensais que c'était le même d'aller chez Cora. Mais non, chez Cora! Quand vous irez, regardez comment ça fonctionne. Il faut que tu fasses de la vente suggestive. Il faut que tu upgrades le bill, tu comprends? Il aurait fallu que je fasse « Would you like orange juice? A smoothies? A cocktail fruit of the day? A side of sausage? » Là-bas, le manager, il était tout le temps après moi. Il était là au coin. Je prends ma première étape, puis il est là. « Oh ouais, je fais « OK ». Une vieille madame, je fais « OK ». »« Good morning », elle me répond pas. Je fais « T'as pas ouais, ça part bien. » Là, je vois le manager. « Oh ouais, OK. » Would you like some croton? Elle me regarde, elle dit, what is croton? Là, j'ai fait, Chris, même moi, je sais pas c'est quoi, comment l'expliquer croton en français? Imagine en anglais! Mais le manager, il est là, come on, buddy, come on. Je fais, OK, so, croton is some rest of shit of all meat. Mix it, and you ate that with mustard, it's very good. Elle me regarde, elle fait, arc, je fais, you're right. Et là, le gars, il est là. Oui, je fais tabarouette, il est fatigué, Calvin. Fait que je fais, would you like some fromage râpé, onion potato? Moi, je me dis, c'est comment on dit ça, râpé en anglais? Et j'ai dit, would you like rape cheese, onion potato? J'ai dit, aimeriez-vous ça que je vous viole du bon fromage sur vos patates? Mais elle comprend pas. Mais pas parce qu'elle comprend pas. Mais moi, je pense qu'elle comprend pas parce que I'm a fucking frog, you know? Fait que je fais, I'm gonna have a sale. Check me. Il a tout pris mon énergie. Il fait, you take the cheese strongly and you rape it on the potato. It's fucking good! Il a travaillé une heure. Non, ça varie souvent des malaises de même. L'année passée, mes amis, pour ma fête, ont dit, on t'invite dans un rave. Je veux pas aller dans un rave. Je compte la drogue, je compte ça. Non, commande, c'est ta fête. Je veux pas y aller. Ah ouais? OK, d'abord. Je voulais l'essayer. Moi, j'avais juste entendu des légendes urbaines. C'est genre, si tu vas dans un rave, bois pas trop d'eau. C'est tout? Je m'en vais avec ça là-dedans, moi, là. OK. Là, j'arrive là, le vendeur me donne une pilule. OK? J'ai aucune idée de c'est quoi qu'il y a dedans, mais parce qu'elle avait un nom le fun, la diamant bleu. Moi, je pensais que j'aurais des hallucinations, que je capoterais, que j'aurais des feelings bizarres. Mais non, parce que moi, j'ai fait un speed. Puis le speed, c'est physique, c'est pas mental. Moi, qui est hyperactif de nature, je comprenais pas le buzz. Mais tu aimes l'avoir pris, tu serais-tu pour ta fête? Déçu. Écoute, ça fait 6 heures, je suis le même, je suis déçu. Je fais 20 minutes de bicycle stationnaire, j'ai une crampe. Là, je suis déçu. Une chance de toi, les gars, parce que ça fait longtemps que je suis reparti. Les seules fois que j'arrêtais, c'était pour aller aux toilettes, puis même aux toilettes. Je ne le réalisais pas encore. J'avais bu 20 bouteilles d'eau. Il n'y avait pas une goutte d'eau qui sortait. Je me suis mis à paranoïer. Ta vessie va exploser. Là, mes chums, il faut que tu pisses, man. On avait un deal, faut que tu pisses. Mais comment tu veux que je pisse? Mon pénis était en dedans. J'avais une tortue. Là, il me dit, ah ouais, faut que tu...
pisse, man, sinon tu sors pas. Tabarouette, je me sentais comme quand j'avais 10 ans. Ma mère, tu sais jouer dehors, ouais, finis tes brocolis. Et là, il s'est passé quelque chose d'incroyable, OK? Parce que quand t'es dans le rave, tu comprends pas. Mais en sortant, en étant là, la porte des toilettes ouvrait, fermait, puis là, je me suis mis à entendre le beat. Pouf, 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 pouf. Là, je me suis mis à avoir des frissons, puis à comprendre c'était quoi le but. J'avais des souliers magiques! Je fuck la pisse, m'a l'air transpiré! C'est ça, mon idée! J'avais du fun! Là, je me suis dit, tabarouette, pas habitué, par exemple, à faire ça, tu dois avoir... T'as pas peur de pas y avoir une crise cardiaque? Je me suis dit, tabarouette, ben oui. Là, je prends mon pouls, il était à zéro. C'est comme si mon cerveau disait, le gros, tu me dis quand tu bouges, ah, je bouge, je fais rien que ça! Là, mes amis, ils me voient, puis tu tripes-tu, oui, il y a des souliers magiques! Je me sentais, tu sais, quand tu vas venir dans un bar, qu'est-ce que tu fais? Tu danses, tu suis la musique. Moi, c'est la musique qui me suivait. Je faisais n'importe quel mouvement, ça fitait. Je me sentais comme dans Matrice. Tu sais, dans le film de la Matrice, ninjutsu, karaté, kung fu. Moi, c'était tabarouette. Toutes mes passes de rap, quand je dansais en 1990 au secondaire, m'ont tout arrivé d'en face. Là. Wow! On va faire ça. Là, mes chefs me voient, puis tu tripes-tu? Ah oh, oui, je tripe. Il disparaît. Pourquoi? Ben, il dit, parce que tu danses, il n'y a pas de beat. Ah ouais, ils riaient tous comme vous, mais moi, j'étais avant-gardiste. Je dis, il y a peut-être pas de beat, mais quand le beat va arriver, moi, on va déjà être dessus, pas toi. Sébastien Bourgeois, mesdames, messieurs!